Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit live des familles où on va leaker le prochain Assassin's Creed. C'est totalement faux. On va simplement parler des rumeurs de ce prochain Assassin's Creed. Voilà, là, n'est même pas encore fini qu'on va en parler, mais on va aussi justement parler d'Assassin's Creed Valhalla, ainsi que quelques autres petites actualités autour de la franchise Assassin's Creed, et je ne suis pas tout seul pour faire tout ça, il y a Maxime avec moi, salut Maxime, comment vas-tu ? Bonsoir à tous, petit truc pour vous rassurer directement, comme vient de le dire Val, on va parler un petit peu d'Assassin's Creed Valhalla, enfin surtout de l'actualité autour d'Assassin's Creed, mais ne vous en faites pas, Valhalla, il y aura zéro spoiler sur l'histoire principale, donc si vous êtes encore dessus, que vous ne l'avez pas fait, que vous voulez le faire, vous pouvez très bien rester, vous aurez zéro spoiler, enfin, sauf si vous trouvez qu'une arme est spoilante, mais zéro spoiler sur le jeu, et après on s'attarde directement à la grande majorité des rumeurs qui sont sorties jusqu'à présent. Premier sujet, l'arc qui est à récupérer, il vous suffit d'aller du coup au nord de la map, dans le Syropes Shire, si je dis pas de bêtises. En fin de journée, il faut que vous ayez récupéré Excalibur, et que vous alliez à un point donné qui est un lac à la forme de Singapour, si je ne dis pas de bêtises. Singapour qui est du coup la ville qui s'est chargée, il me semble, du développement de cette partie de la map. Et du coup, petit clin d'œil, on en allant là-haut avec l'épée d'Excalibur, en cassant le caillou qui se trouve à cet endroit précis, et bah vous débloquez tout simplement un arc Izu qui complète la panoplie des Izu. Et du coup, nouvelle news, du coup, deux nouvelles OST qui vont arriver autour d'Assassin's Creed Valhalla. Donc est-ce que ça annonce éventuellement la sortie prochaine, voire très prochaine, d'un futur DLC? On sait que c'est ça. On sait que la première extension est censée arriver au printemps, donc courant mars, enfin fin mars plutôt. On sait également que les raids des rivières, ça a été communiqué, arriveront normalement, s'il n'y a pas de report, courant février. Donc est-ce que ces deux nouveaux soundtracks sont du coup un petit clin d'œil disant vous en faites pas, c'est toujours en développement, ça arrive, parce qu'on va pas se mentir, Val, je sais pas ce que t'en penses, mais Ubisoft sur ce Assassin's Creed est très 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 silencieux. Alors, et effectivement, que comme le Dinox, ils sont assez discrets. Ouais, c'est le premier Assassin's Creed. Bah après, T'as pas compris. Les assassins, ils sont assez discrets. Ah, ils sont assez discrets. Ah, pas mal. Du coup, tout ça pour dire, Val, l'arrivée du transmog, donc est-ce que tu peux expliquer aux gens ce qu'est le transmog par hasard? Alors, la transmogrification. Mais oui, c'est clair! En vrai, c'est. En fait, vous prenez un équipement. Exemple, je sais pas, l'armure du corbeau, voilà, j'ai pas d'idée en tête. Vous aimez pas cette armure, mais vous aimez bien ses stats. Et vous pouvez, en fait, tout simplement coller une apparence à cette armure, donc un skin, tout en gardant les attributs de l'armure initiale. Du coup, Transmog, on a vu, c'est assez décevant qu'elle ne soit pas présente, mais ne vous en faites pas, elle va arriver. Alors quand, on sait pas, éventuellement avec la mage de février qui apportera les nouveaux raids, à voir. Ouais, les nouveaux raids, carrément. Ouais. Et passons à la nouvelle annonce, donc là c'est l'annonce de deux pop Assassin's Creed, depuis le film qu'on n'avait rien eu du tout. Du coup, voir que Ubisoft recollabore de nouveau avec Pop pour ressortir des Pop, bah fait plaisir. Alors vous avez une Pop de base qui arrive et une édition limitée aux États-Unis, donc ça c'est assez décevant encore une fois. Mais encore une fois, ça pousse les gens à aller acheter à l'étranger et puis bah, à faire plus de revenus. Cette sortie de deux Pop annonce peut-être le retour d'une grosse collaboration avec Ubisoft qui avait été... Il y avait des petites rumeurs qui étaient arrivées courant de l'année dernière. Mmh. Et du coup, bah, j'espère... que la sortie de ces deux pop annonce la sortie d'encore plus de pop Assassin's Creed. Petite chose, il n'y a pas de pop féminine. Alors pour Eivor, tu veux dire? Ouais, parce que moi j'ai vu passer deux Eivor hommes, mais dans une pose différente, et j'ai pas vu Eivor femme. Il n'y a pas Eivor femme. C'est con quand même, ça, tu vois, de pas avoir fait les deux, vu que les deux sont canons. Bah, enfin, sachant manière, que le vrai canon est le personnage féminin, encore une fois, normalement. Ce qui est assez dommage, du coup, de continuer à mettre au centre d'intérêt. D'ailleurs, on pourra en revenir après avec les rumeurs DAC qui parlent d'un protagoniste uniquement féminin et non plus donner un choix. Mais effectivement, c'est dommage de remettre au cœur de l'attention une femme uniquement. Un homme uniquement, je veux dire. Du coup, prochain sujet assez mineur, on va survoler le truc. Là, c'est l'annonce de la sortie d'Assassin's Creed Dynasty. Donc, un Assassin's Creed sous la forme d'une BD. Pour ceux qui aiment bien le transmédia, je sais que Val, toi, ça te saoule qu'ils fassent beaucoup de transmédia et puis qu'ils approfondissent l'histoire à côté. Tu vois, la sortie du comics de Shao Jun, plus Assassin's Creed Dynasty, enfin du comics, du manga Shao Jun, plus la BD Dynasty, me fait fortement penser qu'Ubisoft est en train de préparer le terrain pour un éventuel opus, du coup, en Chine ou éventuellement au Japon, on ne sait pas.
Mais ça peut sentir bon, ça peut sentir bon. Et donc, du coup, cette BD sortira, si je ne dis pas de bêtises. Non, disponible le 11 mars. 11 mars 2021. Et là, on arrive bientôt, du Parfait. coup, à la fin des petites news. Du coup, on a l'annonce de plusieurs personnages pour Assassin's Creed Rebellion. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous y jouez, toi, Val, t'y as joué ou pas du tout à ces Rebellion. Oh mon Dieu. Non? Et du coup, il y a deux nouveaux personnages, enfin, plusieurs nouveaux personnages qui vont arriver. Et qui sont arrivés, du coup, courant janvier. C'est un jeu qui est vraiment souvent mis à jour. J'ai envie de dire presque d'être jaloux d'Assassin's Creed Rebellion comparé aux mises à jour qu'on a sur Valhalla. Puisque Ah, Rebellion a j'avoue. des mises à jour très fréquentes, des ajouts de contenu très fréquents. Alors que c'est un jeu mobile. C'est très con parce que en fait un jeu mobile qui est beaucoup moins joué que Valhalla, il est carrément mieux tenu à jour et alimenté en contenu que le limite le plus gros jeu de la franchise, quoi. Donc c'est un C'est peu. ça, c'est ça, c'est ça. Val, je vais te laisser la parole. Tu vas entamer la première rumeur qu'il y a. Donc je ne sais pas laquelle tu vas choisir parce que ça tourne pas mal, on va pas se mentir. Il y a une rumeur et je sais que vous êtes beaucoup à l'attendre et moi je suis un peu froid vis-à-vis de ça. Je sais pas ce que t'en penseras. C'est un Assassin's Creed en tout cas en Asie, alors, au Japon, en Chine, en Mongolie. J'ai très peur qu'il n'arrive pas à égaliser ou à être supérieur à Ghost of Tsushima. Je pense que ça va Après, être moi très perso, difficile. je suis. Et étant donné qu'il y a des gens qui gardent un tellement bon souvenir de Ghost of Tsushima, dont moi, j'en fais partie, je pense que si jamais ils nous sortent un truc au Japon féodal, je me dirais, ah mais il y a des trucs moins bien que Ghost. Tu vois, tu fais le comparatif automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui me fait peur, Bah en moi vrai, perso, tu vois, j'ai dans le pas projet. tant peur que ça. Enfin, sauf si effectivement c'est le prochain AC qui sort fin 2021 ou alors courant 2022, peu importe. À partir du moment où il n'y a pas de changement de moteur graphique, peu importe l'époque, Assassin's Creed va prendre une claque dans la gueule s'il n'y a pas de changement, ne serait-ce qu'au niveau du gameplay ou alors de la mise en scène. Si Ouais. Assassin's Creed en Asie il y a et qu'il y a un nouveau moteur graphique, un nouveau gameplay et que c'est vraiment un Assassin's Creed avec des assassins, de l'infiltration, des trucs chorégraphiés, une histoire intéressante, pas trop de Izu mais quand même un petit peu un bon présent. Pour moi, s'il y a tout ça qui est réuni dans un Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima se fera détrôner sans aucun problème. Je sais pas. Moi, je suis pas tout à fait convaincu par la rumeur et je suis pas spécialement hypé en fait par la période, étant donné que je l'ai déjà vu et que je pense qu'ils pourront difficilement faire mieux que ce qu'a fait Sucker Punch, quoi. Voilà, en gros, pour cette rumeur, bon, rien de bien concret. Après, c'est la rumeur qui est le moins étoffée. Là, c'est vraiment, mis à part l'image qui vient d'un artiste travaillant chez Ubisoft, c'est vraiment la rumeur le moins étoffée. Et du coup, bah, passons à la deuxième, si t'as rien à rajouter sur celle-ci. Non, 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 bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour, a fait le tour de cette rumeur. En tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si ça vous hype ou pas, si vous êtes plutôt favorable à un Assassin's Creed en Chine ou pas. Mais je pense que ouais, on a fait globalement le tour, quoi. Sachant que, comme je le disais, moi, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, hein. Ce n'est pas du tout la période qui m'intéresse le plus. À voir de laquelle Val va parler juste après. Vas-y, Mais, vas-y, attaque, attaque, je t'en prie. et bah, Celle moi, qui toi, t'intéresse le plus, celle toi, qui dis-moi. m'intéresse le plus, c'est AC India. Donc, du coup, il ne s'appelle pas AC India proprement parlé. Mais c'est un Assassin's Creed en Inde dont vous avez eu une vidéo sur la chaîne bah, la semaine dernière, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est toi qui l'as fait d'ailleurs. Ouais. Et du coup, moi, cette époque m'attire énormément. Alors, certes, ça a été exploité avec AC Chronicles, tout comme la Chine a été exploitée avec AC Chronicles aussi. Et du coup, moi, je trouve que cette période serait énorme, non seulement d'un point de vue géographique, puisque c'est un endroit très peu exploré, exploité au cours de la licence, mais en plus de ça, architecturement parlant, je sais pas si ça se dit. Mais l'architecture est très différente de celle dont on a eu l'habitude de voir dans les Assassin's Creed en général. Ouais. Et ça pourrait nous dépaysager énormément. Mais genre, très très. Enfin, je sais pas comment le dire, mais vraiment énormément. Moi, en fait, une période qui m'intéresserait, ce serait l'Inde colonialiste, tu vois. Genre, le moment où les Anglais, ils arrivent, où ils foutent un peu le bordel, Ouais. où ils exploitent un peu la population. Et là, tu pourrais grave voyager Du coup, on parle de ça là, par. hein. La rumeur parle de mettre l'accent sur la compagnie britannique des Indes orientales et sur la compagnie Ah. néerlandaise des Indes orientales, qui Bah seraient deux factions j'avais rivales. bah écoute, j'avais pas du tout suivi ça, mais dans ce contexte-là, ça peut être ouf, effectivement, parce que il pourrait mettre aussi un peu de pirate En là-dedans. plus. Ça pourrait. Ouais. Non, franchement, ça pourrait être cool. Ça pourrait être grave cool et pourquoi pas?
On pourrait éventuellement avoir des allusions à Arbaaz Mir, et pourquoi pas même à Jayadik Mir, aka Henry Green dans Syndicate. On pourrait même... Là, tu dis des gros mots pour une bonne partie de la communauté, oui, quand même. Arbaaz Mir, c'est un personnage... Alors, comme disait Mika, c'est un personnage de Brahman, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est le protagoniste d'Assassin's Creed Chronicles India, et donc Jayadik Mir, c'est le fils d'Arbaaz Mir. Et Jayadik Mir, vous l'avez rencontré dans Assassin's Creed Syndicate, puisque ce n'est autre que Henry Green, et donc Henry Green a été entraîné par le père de Evie et Jacob Fry, donc qui s'appelle Ethan Fry, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est ça, ouais. Comme quoi, tout concorderait, vous voyez. On va aborder donc, du coup, la troisième rumeur, et qui concerne un Assassin's Creed en France, donc un retour en France, puisqu'on a déjà été en France, pour rappel, avec Assassin's Creed Unity pendant la Révolution française, au cours de l'année 2022, et se déroulerait pendant la guerre de 100 ans. Je pense qu'il n'y a pas trop de cohérence dans cette rumeur. D'ailleurs, le nom, en fait, c'est une rumeur qui vient de 4chan. Et l'utilisateur, il a dit que le jeu, le nom de code, c'était Assassin's Creed Champion. Ouais, déjà là, nom, c'est pas ouf. Déjà, le nom, il est pourri. Franchement, il faut le dire. Et puis, comme tu as dit, il y a déjà le DLC, le siège de Paris, qui arrive dans Valhalla. Donc, je vois pas tellement l'intérêt. Quoi. Moi, c'est franchement, des quatre rumeurs, c'est la rumeur qui me chauffe le moins. Parce que... Voilà, je préfère carrément une ambiance moyenâgeuse orientale qu'une ambiance moyenâgeuse occidentale européenne qu'on a déjà vue 10 000 fois. Et du coup, on va passer à la dernière rumeur. Donc rumeur qui a vu le jour, alors elle a vu le jour. Et donc ce qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est le fait que YoRaptor en parle. Ouais. Puisque YoRaptor, à partir du moment, même si on va dire qu'il a une importance au niveau d'AC assez grosse, et même s'il nous parle de Assassin's Creed au Tombouctou, on va forcément y prêter attention parce que forcément il va faire des vues et il va toucher beaucoup de personnes. Et donc là, notamment, c'est courant de semaine dernière, il nous a parlé d'un Assassin's Creed qui prendrait place du coup au Moyen-Orient. C'est le youtubeur Jonathan, et on lui fait un petit coucou, qui avait teasé le 29 décembre. Là, j'ai le tweet sous mes yeux. Donc voilà, il y a du binaire qui veut dire 2022 avec un gif de Richard Cœur de Lion. Qui dit Richard Cœur de Lion, du coup, qui est à l'origine forcément du connu français fromage. À camembert, moi perso. Tu peux penser au camembert, mais moi je pense à Assassin's Creed 1. Et tu penses à Assassin's Creed 1, tu penses au remake d'Assassin's Creed 1. Et non. Franchement, à force d'en parler, tu vois, ça me convainc presque, mais je me dis, ça dénaturerait tellement le jeu et tu peux faire grave quelque chose de nouveau et quelque chose de mieux. Et justement, c'est la rumeur. De mon point de vue, je trouverais ça grave mieux, plus intéressant et surtout moins casse-gueule de faire un séquel ou un préquel à Assassin's Creed 1. Et c'est ce que finalement dit un peu la troisième, enfin cette quatrième rumeur, parce que qui dit troisième croisade et qui dit Richard Cœur de Lion, au bout d'un moment, je pense qu'on croiserait quand même Altaïr, tu vois. Au moins, on entendrait parler, je pense. Ça serait grave bien. Et en plus, la rumeur, elle dit, et ça c'est encore une fois Jonathan qui le dit, que ce serait Ubisoft Sofia qui serait aux commandes de cet épisode. Donc ce serait un épisode... Enfin, Ubisoft Sofia, pour info, ils ont développé Assassin's Creed Rogue. Rien qu'à l'idée, ça me plaît, quoi. Tu vois, retourner aux croisades, cette ambiance-là moyenâgeuse et tout, revoir Altaïr, revoir Massiaf, avec des vrais assassins du Levant, avec vraiment les trucs que les fans... adore, tu vois, la discrétion, le doigt en moins, enfin, la confrérie, vraiment, quoi, tu vois, un truc vraiment, vraiment, pour le coup, vraiment, un vrai retour aux sources, quoi, tu vois, même si Valhalla, il y revient un petit peu, là, ce serait vraiment un gros, gros, gros retour aux sources. On sait que parmi ces quatre rumeurs-là qu'on vous a donné, donc préquel, séquel, AC1, AC en Chine, AC en France médiévale ou AC en Inde, c'est sûr, il y en a une sur les quatre qui est en cours de développement. Ah bah, sauf si Ubisoft arrive à nous faire un coup de génie et tout ça. Mais non, mais ils général, peuvent pas, quoi. Ils peuvent ouais. pas, je veux dire. Non, bah, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et merci à ceux qui regardent la rediffusion. On espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Si vous êtes passionné d'Assassin's Creed, il y a du contenu qui arrive toutes les semaines sur la franchise, donc vous êtes sûr en nous suivant d'être au courant de toutes les dernières infos. N'hésitez pas non plus à
commenter la vidéo, à commenter, enfin interagir avec nous dans le chat. On répond quasiment tout le temps et on est toujours très content de discuter un petit peu avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide aussi énormément. Et à rejoindre la confrérie en devenant membre soutien pour bénéficier de quelques petits avantages sympas, comme par exemple avoir les vidéos en avant-première. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'on est une chaîne indépendante. Et en plus de ça, bah, ça vous récompense aussi parce que vous de avez votre du fidélité. Contenu en avant-première. Voilà. Sur ce, on a vu que le live vous avait plu. Merci à vous tous d'avoir été présents. Vous êtes encore 205 jusqu'à présent. Vous avez été plus de 5600 à être sur le live. Donc merci encore à vous. Et puis bonne fin de soirée. Et puis bonne outro tout simplement. Ciao tout le monde. Salut à tous, portez-vous bien, ciao.